Alors, évidemment! Bonjour à tous! C'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos avec des filles différentes sur ma chaîne, du coup, on a tendance à croire que je suis célibataire. Mais c'est pas le cas. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont être déçues que je sois pas célibataire, beaucoup d'autres qui vont être surprises que j'ai réussi à trouver quelqu'un. Mais du coup, au même titre que la semaine dernière, je vous ai présenté les personnes avec qui je travaille, aujourd'hui, je voulais vous présenter Madame Pierre Cross. Alors, elle s'appelle Kate, c'est pas un nom d'emprunt parce qu'elle a honte, c'est vraiment son prénom. Et elle est juste ici. Salut Kate! Salut! Ça va? Super! Tu sais, je t'avais parlé que je voulais faire un petit documentaire sur nous et je me disais qu'on pouvait le faire aujourd'hui si ça te va. Oui. Ouais, c'est bon. D'ailleurs, si tu veux te présenter à la caméra, tu veux pas que je t'embête parce que t'es timide ou quoi, tu peux te mettre dans la pièce d'à côté, j'installe une caméra et tu parles toute seule, tu vois. Ok. C'est bon pour toi? C'est bon. Ok, donc je m'appelle Kate. Je suis née en Russie, c'est pour ça que j'ai un tout petit accent. Je sais pas si vous l'attendez. Donc Kate et moi, ça fait 6 ans qu'on est ensemble quand même. 6 ans. En vrai, moi, je considère que ça fait 4 ans qu'on est ensemble. En fait, lui, il compte partir du moment où on a fait l'amour pour la première fois. Mais moi, je compte partir du moment où il m'a fait jouir pour la première fois. Il a un tout petit écart quand même. Et il faut savoir que Kate n'est pas du tout dans le monde de la vidéo sur Internet. Elle fait du développement web, c'est-à-dire qu'elle fait des sites Internet, en gros. C'est ça. Mais ça reste quand même une grande fan de mon travail. Je ne sais pas abonner à sa chaîne. J'ai vu un, deux trucs, ça a l'air sympa. Mais j'ai pas le temps de tout regarder. C'est branché, par contre. Là, j'aime bien. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés aux États-Unis parce qu'on faisait tous les deux nos études là-bas. Et je crois que Kate a directement eu un coup de cœur pour le petit Frenchie. Je sais pas si j'ai eu un coup de cœur. Par contre, j'ai eu plein de messages de sa part où il a insisté beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'on se voit. Bon, Kate, comme j'ai un minimum préparé cette vidéo, je me suis dit qu'on pouvait faire une petite séquence où on regardait des photos de nous que j'ai fait imprimer. Donc, on a par exemple, ça c'est moi quand on est allé sur la plage ensemble pour la première fois. Voilà, c'était marrant ça. Ça c'est moi dans le salon en train de faire le con. Ça c'est à Buenos Aires en fait. C'est ma photo de profil YouTube qui est juste ici. Et on l'a prise à Buenos Aires avec Kate, cette photo. Attends Pierre, ouais. C'est bizarre ça un peu. De quoi? Il n'y a que des photos de toi là. Ouais. C'est pas souvenir de couple. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Ouais, non mais attends, il doit y avoir des trucs quand même. Ah oui, voilà. Ça, c'est une photo de Kate à Hawaï. Parce qu'en fait, on était partis à Hawaï ensemble. J'avais payé une semaine de rêve. Enfin, j'ai quand même dû payer l'hôtel, les restos et l'avion. Il a tout payé. Ah voilà, c'est celle-là. Celle-là, j'aime beaucoup. Regarde. Elle est marrante, celle-là. Tu aimes bien ma tête, là? Non, j'aime bien la bière, là. Ah, ça, c'est le week-end à Rome. En fait, comme je suis d'origine italienne, j'ai pas mal de facilité avec cette langue. Et on était allé là-bas pour retrouver un peu mes racines. Il ne parlait pas un mot d'italien. Il rajoute des O à la fin de chaque mot, il croit qu'il parle italien. Mais là-bas, personne l'a compris. Et j'ai fait imprimer aussi des grandes photos comme ça. Regarde, il y a plein de bons souvenirs. Par exemple, ça, c'était à Barcelone. En fait, j'avais organisé un week-end surprise pour Kate. Et d'ailleurs, le matin, à l'hôtel, j'avais fait monter un grand gâteau fait maison. Rien que pour elle. Elle était super, super contente. Pierre, c'est un grand gâteau pour toi? C'était la tartelette, là? Et bah, tu vois, dans mon souvenir, elle était beaucoup plus grande que ça. On a vraiment plein de bons souvenirs ensemble. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que comme c'est le début des soldes, j'ai fait une petite surprise à Kate et je voulais lui montrer devant vous. Attention, Kate, j'ai un cadeau pour toi. Mais c'est quoi? Attends, laisse-moi poser la caméra. Et voilà. C'est une robe? Non, c'est pas une robe, non. C'est cette jupe que je voulais depuis longtemps? Non, 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 à mon avis, ça va te faire plus plaisir que ça. Mais c'est un t-shirt. Le blanc là? Tu m'as dit que t'aimais bien le blanc? Et en plus c'est XXL. Ouais, parce qu'en fait je me rappelle jamais de ta taille donc j'ai pris XXL. Après, si vraiment c'est trop petit, moi on peut le changer, hein, y a pas de soucis, j'en ai plein. Tu l'essayes et puis tu me dis hein. Elle est contente, elle est contente. Moi c'est simple, hein, ce qui me fait le plus plaisir, c'est lui faire plaisir. Bon, merci en tout cas Kate d'avoir participé à mon petit documentaire parce que je pense que ça va faire plaisir aux abonnés comme ça de voir un peu la vie privée. Par contre, j'étais en train de me faire la réflexion que peut-être comme je fais souvent des sketchs sur ma chaîne, ils vont croire que c'est joué et qu'on n'est pas vraiment ensemble. Du coup, ce que je me disais, c'est qu'on pouvait peut-être poser la caméra sur le côté
Et bien sûr, on reste sous la couette, mais on peut peut-être faire l'amour devant eux, quoi. Bien, c'est une vidéo pour YouTube. Ouais. Pas pour Vine. Hein. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai longtemps hésité à faire. C'est une vidéo qui me tenait à cœur, donc j'espère que ça vous a plu. Il y avait un petit placement de produit dans cette vidéo, je vais être honnête avec vous. C'est au moment où j'ai développé les photos. En fait, je suis passé par une application qui s'appelle Lalalab. C'est une application où vous connectez par exemple votre Instagram dessus et vous dites quelles photos vous voulez imprimer et il vous les envoie quelques jours après chez vous. Je mets le lien dans la description de la vidéo pour la télécharger et avec le code Pierre, vous avez moins 30% jusqu'au 31 janvier. Le code c'est Pierre, c'est mon prénom. Donc profitez-en. Mais attends, et moi, est-ce que je serais payé pour ça? Ouais, je te repérais un petit voyage à Hawaï comme la dernière fois. Allez, s'il te plaît. Merci.